This is Team TEDx, village de la francophonie. Nous sommes là aujourd'hui pour partager notre expérience à travers ces quelques questions qui ont été concoctées. Donc nous espérons que vous allez aimer et apprendre avec nous. Let's go! Who's gonna pick first one? Who's gonna pick? You start. Ladies start. Nope. Ladies, I said. I won't. Donc ça dit quoi? Ça dit quoi, Adam? Question un bizarre. On me dit de décrire un mentor ou un ami que vous avez rencontré grâce au TEDx profondément influencer votre développement personnel. That was a big question. Comment c'est bizarre? C'est bizarre. Ça commence, mais parce que c'est toute l'organisation. Ça c'est une grosse question. Oh, yeah. Tu vois, l'équipe. Je pense que c'était la première fois où on travaille tous ensemble. Mm-hmm. Il y avait le coaching, le mentorat du président de cadre, Boukar. Du Malien, j'ai oublié son nom. Voilà, j'ai oublié son nom aussi. I feel bad. But him, yes. Tu vois. Ah, il y avait aussi le fait de travailler avec différentes équipes. Tu vois, il y avait les Abdallah, les Soufiti, les Nadira. L'équipe était pour les Chetiti. Wasoso. Yeah. Comme c'est quelqu'un que vous avez rencontré, tu vois, donc pas quelqu'un d'interne, soit d'externe. D'externe? Ouais. Je pense. Je pense que tu peux décider interne ou externe, mais juste essaie de te focaliser sur la personne qui t'a. Je pense qu'il y avait l'équipe de la camp de comment ça s'appelle là? Mugani. Yeah. Ouais, ils ont beaucoup marqué. C'était des trop franchement. Chacun d'entre nous on avait une différente expérience en fonction de. Ouais, en fonction de ce que tu as fait comme qui travail. Qui tu as rencontré? Ouais, je pense que c'est la première fois que c'est sur ça que tu avais rencontré Jalouz aussi. Rencontrer moi ou elle? Moi. Moi ou lui? Rencontré, non, je connaissais depuis, mais j'ai eu quand même un peu plus de lien avec lui. C'était cool. Parce que je l'ai fait la vidéo d'annonce et tout. Du coup, il fallait le voir pour prendre des roches. C'est vrai que si on devait me poser la question, c'est lui en même temps à lui, je pense, quoi, directement. Mm. Ouais, c'était cool de. Perso? Yeah, bien sûr. Ouais. Perso, c'était plus comme Adam avait dit, c'était plus Mugani. Plus précisément le DG. Wahid, je pense. Oui, franchement, il m'a beaucoup impressionné. Il était vraiment très pro et il était vraiment très présent. Il m'a montré des choses parce que le TEDx Village de la Francophonie, pour moi, c'était comme une immersion dans le domaine de la communication, pour moi surtout. Sur mon CV, même, c'est ça que j'ai écrit, apprentissage. Donc franchement, Mugani, il a vraiment... ils ont vraiment, vraiment, vraiment influencé dans ce que je suis en train de faire actuellement. Jusqu'à présent, j'utilise les techniques qu'ils m'ont apprises. Et voilà, ouais. Surtout Ismaël, big up à lui aussi. Pour ma part, j'étais project manager, du coup, franchement, m'asseoir et puis rentrer en deep dans chaque aspect, ce n'était pas franchement mon rôle. Donc, je devais kind of connecter toutes les teams, like, together et tout. Du coup, je pense que les personnes avec lesquelles j'ai le plus travaillé, in-depth, c'était la team exécutive, like CAD, principalement CAD, et toutes les personnes qui nous ont mentoré à gauche et à droite. Like, mais c'était chaud quand même. C'était chaud. C'était chaud. C'était hyper. Surtout le fait que les réunions, c'était daily, ce genre de choses. We're gonna get to that. C'était une anecdote qui vous a marqué. Franchement, pour moi, ça, c'est difficile. Pourquoi tu dis? Je pense qu'il y a tellement d'anecdotes et qu'elles vont venir au fur et à mesure. Non, moi, je n'ai pas. Qu'est-ce qui m'a marqué, tu vois? C'était du genre, on m'a tellement pompé, tu vois, la première expérience comme ça. You can do this. Le jour du TED. J'ai dit, tout celui qui vient en retard ne rentre pas. Moi, le CEO. Tu ne rentres pas, peu importe. Adam, tu m'as mis dans des problèmes le jour-là. Et puis, tu vois, l'équipe me fermait dans. Je ne sais pas, c'est une chambre ou un coffre. C'était une espèce d'entrée au CCFN. Yeah. Parce que c'est là-bas que ça s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'en rappelle pas trop. Ici, il est là. Personne ne rentre, les invités, tout le monde rentre. Je disais que les gens vont rentrer chez eux, on m'a dit c'est bien. Ça se passe, j'ai dit non, le TEDx c'est international. Tu vois, voilà un truc que j'aime pas dans le public nigérien. Ils aiment venir en retard et penser que. Et donner l'excuse, c'est le Niger.
Je crois que ça n'a pas de sens. Holden, avant même de rentrer dans le comportement nigérien, là, voilà, on a demandé anecdote. Le jour là, on a failli me taper. On a failli. Les gens à la porte que tu as bloqué, ils ont rentré. Il y avait deux badges. Il y avait les gens qui étaient censés être là pour le main event qui devait rentrer dans l'amphi du CCFN, et il y avait le streaming qu'on faisait dans le CCFN même, dans l'espace là. Du coup. On a, vous vous rappelez qu'on a changé les badges? Il y avait les badges very VIP et les badges VIP. N'est-ce pas? Rouge et bleu. Bon, l'espace est limité, donc les gens doivent comprendre. Maintenant, moi, on est venu me chercher dans l'amphithéâtre là, m'amener. Rama, viens ici. Il y a des gens qui veulent te voir. Ils veulent voir la project manager. Je suis partie. Ah, mais non! Mais nous, on n'a pas de very VIP. On voulait rentrer dans l'amphithéâtre. L'amphithéâtre était déjà plein. Les gens mettaient leur tête à la porte pour regarder. Donc, je leur dis cordialement, je suis désolée, madame, monsieur. You cannot make it. There's just no space. But you can go for the streaming. At the same place, and then you will have access to the, how do they call this thing, cocktail dinatoire qui allait se passer, n'est-ce pas? Moi, le jour là, on m'a crié dessus, mon talon s'est gâté. Il a fallu que je sorte à l'artisanat. Tu vas t'acheter? Acheter, Zati. I was a student and I was broke. Je suis partie arranger chez le cordonnier. No. But yeah, that was my anecdote on the D-Day, honestly. Yeah. Anything in mind, you guys? Perso, c'est plus le fait qu'on avait invité 200 personnes. C'était avant, la veille. Je me rappelle, on était resté jusqu'à 23 heures. On était en train de faire les invitations. On textait jusqu'au matin. On envoyait les invitations. Kader nous faisait, Tonton Kader nous faisait que nous envoyer des invitations et tout. Tu te rappelles ça? Oui. C'était nous-mêmes qui faisions ça. Hey, j'étais là. Pourquoi tu dis que tu te rappelles ça? Enfin, tu étais là aussi. On était tous là. On avait fait, de base, le truc était censé accueillir que 200 personnes. L'amphithéâtre n'est censé accueillir que 200 personnes, je pense. Et la veille, Tonton Kader a fait en sorte qu'on puisse utiliser aussi... L'exposition, là, voilà. On savait déjà qu'on allait utiliser la salle. Mais 400 personnes, les gars. Too many people to fit in the space, honestly. C'est pour ça qu'on faisait même streaming à ADU, on devait faire streaming au CCA aussi. So, those were like the reason why. But still, I almost got beaten up. Je me rappelle aussi le fait que on avait invité beaucoup de gens qui étaient vraiment influents sur les réseaux sociaux et tout, et ils se sont retrouvés dans le side event. J'étais KO. Je voyais les gens, ils faisaient les grosses têtes sur les grosses têtes, mais ils étaient populaires sur les réseaux sociaux, mais ils sont partis dans le c'était quand même une belle expérience, honnêtement, surtout de pas professionnels. On était des jeunes première année, des étudiants. Total. Don't get ahead of my questions. Thank you. I know. You have a question, but yeah. So. Moi, ça m'appelle un truc. Je sais pas si c'est vraiment anecdote, mais tu vois, un jeune étudiant, comme il dit, tu vois, quand on te met en tant que, you know, celui qui va gérer tout ce qui est la com, le visuel et tout, tu vois. Et then, au jour même de l'événement, il y avait les gars là qui étaient là, comment ils s'appellent? Ceux qui ont filmé là, comment c'était quoi? C'était Mugani. MSA. Ouest, non, c'était MSA. C'était MSA, tu vois. Amin. Ils ont pris le MSA là, c'est juste la lumière et autres, non? Ouais, ils ont fait aussi. Ouais. Ils ont géré la couverture. En fait, moi, je me suis retrouvé bluffé, quoi, tu vois, papa. I was like, ok. There is more. Genre, il y a plus que ce que je connais, quoi. Il y a plus que ce que je connais, tu vois. Et j'étais là à regarder et c'était cool. Mais c'était genre, je me rappelle, j'apprenais, quoi, tu vois. On apprenait parce que je me rappelle en tant que chief operator, après ça, il y avait une partie où il y avait les règles du TEDx qui devaient, la mise en scène, où tu devais la prendre et puis tu vas chez les partenaires. Il y a leur façon, tu dois leur dire non. Hey, et puis les gars là qui devaient mettre, comment ça s'appelle? Tu sais, on doit avoir la photo de chacun.
et faire un visuel. Et le mec qui ne voit pas leur photo, attends, et c'est sûr, au même moment qu'il dit voici la photo, voici ça, c'est le bug. Mon thème. Et je fais ça rapidement en live. Et projeter avant que. Non, d'abord. Et la projection, à un moment, le projecteur s'est arrêté. Et puis, c'est la marque du. C'était la marque du projecteur. Non, qui ça, c'est quoi là? C'est quoi, c'était quoi? C'était pas Sony? Non, c'était pas Sony. C'était une marque bizarre japonaise là. Une marque bizarre, là, oui. Et puis... Non. Nafat, c'est avec un truc avec 4 lettres. Ça m'a traumatisé le truc. Oh merde. Hein. Ça m'a traumatisé parce que après qu'on a fait le After Action Review, Kader était là en mode. Ouais. Il a mis le nom de. C'est la pub pour la marque. Je te jure. J'étais KO. Ah bon, Tim Nain ou? Non, c'est quoi. Ouais, ça c'est les petits erreurs qui sont passés, mais qui sont. Bon, ouais, ça. Mais la présentation PowerPoint, vous vous rappelez comment ça s'est passé? Pauvre. Quand il y avait le PowerPoint qui s'affichait et tout. Non. Prochaine non, j'étais question. Sûr. C'est quoi? J'étais quand même. Prochaine question, voilà. Ah, je c'est comme tu veux. Devant ou derrière? Ok, devant, allez, devant. Super. Si vous pouvez revenir au premier jour avec TEDx, PDF, et vous donner un conseil, que serait-il? Ah, Jean, tu repars au premier jour, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Jean, tu moins de stress. Bon dans le premier conseil que je me donnerais, je vais dire à Adam. Chill, keep calm. You're gonna make it. Oui, parce que c'était stressant. Moi, je pense que du moment où on a lancé jusqu'à la fin, il n'y avait pas de repos. Non. Ouais. Moi, je vous ai dit, quand j'ai quitté le jour du TEDx, j'ai dormi 3 jours. Dimanche, vous célébrez, j'étais en train de dormir. Je pense aussi, moi perso, je me dirais que le stress aussi, mais aussi je me dirais, sais comment organiser ton travail. J'étais très désorganisé. Je ne savais pas où commencer. Je ne savais pas où finir. Je ne savais pas où faire les pauses. J'étais là en mode, fais ça. Mais à la longue, je n'étais pas à 100% satisfait du résultat. Mais this thing. Mais peut-être aussi, je dirais aussi, il y a une chose. Je prenais plus de temps aussi d'apprendre à communiquer. Je pense que le TEDx m'a appris à communiquer. Surtout l'aspect du TED. Comme je disais, le TED, il y avait énormément de règles. Donc même les partenaires sur la scène nigérienne, il fallait expliquer que c'est pas toi, tu vois. Voilà ce que le TED dit de faire. Il fallait appliquer en tant que jeune, tu partais ça et ça, les conditions et tout. Okay. Ouais, pour moi, ce serait l'humilité. Être plus humble. Parce que je me rappelle que l'un des défis que j'avais avec Tonton Kad, c'était que, tu sais, moi, je me voyais, ouais. Oh, je me rappelle. Tu te voyais top, top et tout. Il voulait faire ses choses. Ouais, et ça me fumait, tu vois. Il faisait ses choses. Créatif de jeune étudiant. Il dépose les règles de tête, lui disent non, on ne veut pas ça. Il me dit, ouais, on veut une vidéo, tu vois, et tout. Et je viens avec des idées et tout, et il me dit, non, voilà comment on va faire. Ça me fumait, tu vois. Il me dit, am I not the videographer? Why don't you let me do what I... Tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, quand je repense et que je vois encore la vidéo qu'on a produite, c'était assez bien, quoi. C'était créatif, tu vois. Je me rappelle du brainstorming du son. Du son, n'est-ce pas? Comment on a trouvé ça, ya? Mais j'étais révolté, je te dis, je like... Pourquoi c'est... Ouais, non, pourquoi il ne me laisse pas faire ce que je pense, tu vois? Pourquoi il veut qu'on fasse comment lui pense et... Mais là, je vois que je loupe pas une opportunité d'apprendre, tu vois, et... Mais tu as appris. Non, mais j'ai appris, mais, you know... Ouais, yes. ta fierté était là et tout, ouais. Tu es là. Je peux faire ça aussi, lui, laisse-moi faire. De maintenant, à son lui du passé. Maintenant, il est fier. Elle est concentrée sur apprendre que... C'est-à-dire être plus humble. Ouais. And like kind of open to like, to new advice. To new stuff, you know. Yeah. Even those who are not necessarily in your field, you know, they can bring insights. Yeah, they can bring insight in what you're doing. Oui, tu te rappelles comment on a fait le design? Tu vas citer un truc. On a pris, c'était le canapé. Il y avait un canapé qui était qui était en haut, dans l'open space en haut. Le canapé était bien sûr. Le canapé était en cuir. Donc ça avait des patterns qui étaient là, tu vois. Donc on a pris la photo.
Il a choisi la couleur et tout. Et c'est avec ça qu'on a fait tout les designs de la fontaine. Et les designs étaient très très beaux. On était vraiment... Ça faisait vraiment chez nous. Ça faisait d'ici. Et ça faisait aussi you know, quelque chose qu'on peut montrer à l'échelle internationale. Pour ma part, le conseil, conseil. Ne te fais pas tuer par la team. non. To be fair. Pour ma part, le conseil serait... C'est difficile, hein. En fait, maintenant, là où je suis, avec l'expérience de project management que j'ai actuellement, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'erreurs que j'avais commises. Mais je pense que si je vais me donner un conseil actuellement, serait... Ok, deux conseils. Écoute active, active listening to your team members and also to your superiors. And be confident, girl. Come on, be confident. Avoir confiance en moi. En fait, je me rappelle maintenant que je revisualise, il y avait de ces moments-là. J'étais comme une toute petite brebis qui se sentait, on dirait, dans une cage de lion. Surtout les jours où on devait voir avec les gens de Iman ou bien Lancy qu'on a rencontré Ibrahim Agimba pour la première fois. Dans le bureau, là, on dirait j'allais melt comme du beurre. Et j'étais effrayée. Donc, je pense que avec plus de self-confidence, I could have handled this better. Et porter aussi la voix de ma team aux membres exécutifs pour éviter de me faire massacrer par certains d'entre eux. Yeah. All right, next question. Maybe you're going to kind of... Citer un challenge majeur auquel vous avez fait face. Waouh. Perso, alors, dans mon département, j'étais avec Bintou et Wassila. Wassila était ma co-chief of communication. J'étais co-chief of communication too. Et Bintou était la personne qui nous assistait. J'avoue que j'ai manqué énormément de sens de leadership en ce moment-là. Parce que dans ma tête aussi, j'étais comme Joël, Boris autant pour moi. J'ai un ami qui s'appelle Joël, il le sent beaucoup. Jojo et Bobo. Voilà, on l'appelle Jojo aussi. Et j'étais aussi dans un état d'esprit de « ouais, je vais le faire, c'est moi qui, je peux le faire, c'est moi qui connais la chose et tout. » Et à un moment, on s'est blessé. Enfin, je l'ai plus blessé que moi. On nous a blessé. Ouais, on vous a blessé à cause de nous. Donc, franchement, c'est comme je le disais. Donc, il y avait cet esprit là que j'avais avant. Je suis sûr que c'est la jeunesse qui fait ça. Ouais. J'étais jeune. J'avais quoi? C'était à 4 ans, les gars. Laissez-moi. Je veux parler. C'est quoi? Yeah, I'm old. I'm old enough to have a baby. Moi, j'avais l'habitude de faire tout seul. You know, I'm a one band guy. Tu vois, je filme, je fais la photo, je fais la comme fiche. Tu veux, tu vois. Comme tu veux. Voilà. Mais là, on me dit, écoute, t'as des gens là, il faut déléguer. Non, il faut déléguer. Il faut laisser tel gars faire truc. Tu as peur de. Mais est-ce qu'il va bien faire? Est-ce que, tu vois? Et comme tu veux. Comme tu veux, voilà. Et ça fait comme tu veux, tu vois. Aussi. Et ouais, ça, c'était un grand défi pour moi. You know, I was like, diriger une équipe pour la première fois, c'était... Je sais pas. Pour ma part, je sais pas si c'est le plus grand défi. Mais à un moment, je sais pas si vous vous rappelez, mais le TEDx, ça s'est passé le 16 mars, n'est-ce pas? C'est passé le 16 mars. Et genre, une semaine avant, il y avait le 8 mars. La journée... international de la femme, ou qui était censée être une journée cosy et tout, blablabla. Mais ce jour-là m'a marqué. Pourquoi? Parce que ce jour-là, personne dans ma team n'était content. Dans toute la grande team, personne n'était content. Déjà en haut, je sais pas, je me rappelle pas exactement des circonstances, mais je sais que Boukar et Kat ne s'entendaient pas sur le projet. Du coup, eux-mêmes, entre eux, il y avait « Non, on fait ci, non, on fait ça et tout. » Je savais pas ça, moi. Comment tu vas savoir? J'étais trop naïf. C'était le moment où tu avais commencé à dire ça. Il y avait... Hold on. Il y avait...
Vous tous, vous m'avez fait quelque chose. Aujourd'hui, là, c'est ici même que le truc va sortir. Vous tous. C'est le jour où il s'est coupé les mains, là. Tout le monde, non, le personne ne voulait ni me parler et ni m'écouter. Pas pour une erreur que j'ai faite moi-même, mais plutôt parce qu'il y avait les désaccords, les gens refusaient de s'entendre, il y avait la pression. Et puis, rappelez-vous, parce que les finances même, pour l'événement même, on a eu ça que quelques jours avant. Donc, tout le monde était on edge. Everybody was scared. Is this going to happen? Est-ce que ça va se passer? Et tout. And yes, who was the bravey to accuse? Here, right in front of you. Yes. Ça m'a... Franchement, c'était vraiment quelque chose. Je pense que le premier, like, serious breakdown que j'ai eu par rapport à cet événement, c'était le jour-là. Ça, je ne vais pas oublier ça. C'était le jour-là. Et je me demandais, what am I supposed to do? And how am I supposed to manage? C'était plus, tu n'arrivais pas à gérer les gens, ou quoi? Non seulement, j'arrivais pas, il n'y avait pas cette connexion. Je n'arrivais pas, en fait, les gens étaient stressés, du coup. Tu n'arrivais pas à gérer notre... Communiquer avec vous était impossible. C'était impossible. Et communiquer avec la team en haut aussi, c'était impossible. Ouais, parce que déjà, c'était là-bas aussi, ils étaient en désaccord. Et tout. Ouais. Oui, c'est même parce que j'avais fait calme. Du coup, après qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fumé, là voilà? Je sais pas, on dirait un traumatisme. Du coup, je me rappelle même pas comment est-ce que je suis sortie de ça. Je pense que j'ai juste vécu la situation. Et au fur et à mesure, parce qu'à un moment aussi, on est revenus tous ensemble, on a compris que voilà, l'événement là, c'est pas Adam qui va le faire, c'est pas Boris qui va le faire, c'est pas Abdella, c'est pas... C'est tout le monde ensemble. Du coup, on a laissé nos différents. Perso, je pense que c'est après qu'on s'est excusé avec Vassila et Bintou. Parce que juste après même, Bintou, elle ne me parlait pas. Hein. Jusqu'après, elle ne me parlait pas, je vous jure. Next question, please. Non, Adam n'a pas dit parler. Mon challenge, il était beaucoup plus côté humain aussi. Mais côté technique, je pense This man had so many difficulties communicating. J'étais beaucoup plus... Ouais, Adam était one self-made man. Avec les réunions, les notes, tu vois. Ouais. Je pense que mon challenge était qu'il faut que ton boulot devait être fait, sinon c'est moi. Ton boulot devait être fait, sinon c'est... Et tout le monde devait... Et puis je venais... Si vous ne faites pas votre boulot, je ne viens pas vous parler. Je viens, je parle à C'est moi. C'est moi. Il y a cette pression que j'ai déjà, donc tu viens, tu me rajoutes et je vais encore les voir. Pourquoi Boris n'a pas fait son boulot? Et je vais encore les voir, et chaque fois que je vais encore les voir, they react as if I was extremely annoying, which I can be sometimes, ok? Mais everybody can be. What are you doing? That's true. C'est ça mon challenge, mais je dirais le plus grand. MSA, ouais. Le gars il fait son chemin, je m'assois pour savoir qu'est-ce qui se passe, coordonner tout ça. Et en sachant que j'étais très très introverti, c'était ma première. Salut de piocher? Non. Ouais, c'est vrai. Moi, c'était beaucoup plus. C'est vrai que pour la première fois de voir les gens, c'est pas. Interagir avec les gens, c'est pas très. Maintenir cela. Je me rappelle, Adam était extrêmement introverti. Maintenant, je suis introverti. Absolument pas. C'était une boîte. Maintenant, on a ouvert les deux battants. Combien de battants? L'expérience. Non, on a rien ouvert. Tu ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans.